choose your character. Bonjour à toutes et à tous, bonsoir, aujourd'hui on se retrouve pour une autre vidéo, un autre épisode sur Destroy All Humans. L'épisode numéro 15, me semble-t-il, et c'est parti pour la suite. Je sais plus du tout ce qui s'est passé dans l'épisode précédemment, ça fait un petit moment, je ne sais plus. Mémoire de Super Poisson Rouge, de toute façon vous connaissez la maison. Alors, choquante tribulation. Ouais. Je vais valider le titre, vous savez quoi, d'habitude je dis toujours que le titre va pas, c'est assez rare qu'il va là. Je vais dire qu'ils ont fait l'effort, parce que choquante, on voit qu'il y a des trucs électriques, du coup le choc électrique. Je vais l'accorder, oui, je vais dire oui, bah oui, et oui messieurs, hein, et bah oui, mesdames et messieurs, mesdames, messieurs, mesdemoiselles, de madame, de mes singes, oui, j'accorde. Humans have mass-produced a weapon that threatens our main invasion force. Jolie boule en or là-haut. These Tesla coils are cheap, shoddy versions of the ones you met in Area 42. And you, my impulsive friend, are to destroy every Tesla coil unit in town. Ah bah c'est sympa pour l'inventeur Tesla. Hein. Some are automated, but others require human operators. So what do I do with those? Aha! Je savais que tu étais là. Je te sentais. Each unit must be connected to a nearby control console. Destroy them all. I don't care how. Ouais, je peux faire ça. So I'm taking out the Tesla coils and the control consoles. Once again, Crypto, you have crystallized the thrust of my gist entirely. Oh bah, il y en a un tout à côté là. Oula. Tesla coils on foot. Otherwise, they'll disrupt your saucer. Ouh, y a des robots. Hein. Attendez, alors désactiver, d'accord. Oh, je peux prendre peut-être le costume de ce monsieur, non? Bon, ouais, c'est bon, de cette distance-là, je peux le pirater. Et ça explose, ok. Hop, et je peux récupérer. Ah, bon, c'est bon, voilà, comme, allez-y, tirez. Hein. Mais non, mais c'est pas lui que je visais, c'est lui que je visais. Oh là là, comment ça m'a éjecté? Attends, je vais récupérer les cerveaux, merci. Et je vous dis au revoir maintenant, au revoir. On dit au revoir au robot, au revoir, voilà, ça, c'était fait. Je suis venu, j'ai vu, j'ai explosé, j'ai volé le cerveau. Voilà, ce qu'a dit, bien évidemment, Jules César, lorsqu'il a conquis la Terre. Attendez, non, c'est pas du tout ça. C'est n'importe quoi. Je raconte que du caca, je sais, mais j'aime bien raconter du caca. C'est ma passion dans la vie, c'est raconter du caca et faire des blagues de merde. Et bah, écoutez, faut bien s'amuser avec ce qu'on peut, hein. Pendant ces jours de pandémie, cette année de pandémie, c'est la merde partout, hein. On fait ce qu'on peut pour s'amuser, là. Oui, je me juge moi-même, mais alors. Ah, et là, par là, il n'y a pas de robot, ça c'est bien, par contre. Oula, oula, oh, je suis tombé. Oula, est-ce que je vais remonter? Oula. C'est bon, ouh, j'ai atterri sur la petite fenêtre. Oh, mais il y a du peuple ici. Oh, il y a des gros avec les cerveaux, est-ce que je vais pouvoir... Attends, merde. Mais non, mais... Oh. Est-ce que je vais pouvoir lui voler son cerveau maintenant que c'est plus efficace? Ah, ça a pas fonctionné. Mais non, mais je veux pas lui. Ah, voilà, je vais pouvoir récupérer leur cerveau. C'est bon, j'ai récupéré le cerveau. C'était un bordel pas possible. Il y avait les mecs les crétins de mecs télékinésistes là. Voilà, à la tête de con. C'est un peu une tête qui s'intéresse, du coup je traite un peu moi-même Crypto de con, mais voilà, vous m'avez compris. Perfect! Perfect! Merci, il jouit pas à chaque fois que je fais ça, hein. Ça va être très bizarre, Holopox. Alors on continue pour la suite. Là on est dans une grande ville, ça change un peu, c'est bien. On est dans les grands immeubles, oula. Ah oui, d'accord. On va détruire ça, ce qui me fait chier. Les mythes scientifiques, sans eux, personne ne pourra reconstruire, d'accord. Électrocuter des scientifiques avec des transformateurs Tesla. Ah, faut que je les électrocute, je voudrais voler leur cerveau, moi. Alors, par contre, je sais plus comment on électrocute les mecs. Ouh, à cette distance, ça marche. Oui, il y a un petit zéro. Oh bah c'est trop tard, j'ai détruit le truc Tesla, du coup il y aura pas de... Je pourrais pas les électrocuter, les gars. Bon, je vais pas électrocuter les...
les scientifiques. Je vais pas faire ce truc de bonus là parce que ça m'emmerde. Tout simplement, ça m'emmerde. Voilà, je le dis. Oula, le petit lag de Sega. J'ai un gros lag. Parce que je joue en multi, c'est pour ça. Tout ce que vous voyez là, c'est des vrais joueurs en fait. Tous les joueurs, les PNJ. Cela dit, ce serait marrant. En même temps, il... Oh là, mais putain, mais c'est qu'il y a du pop ici. Alors attends, le juge. Ouais, en plus, je reçois des emails sur mon portable pendant que je suis en train d'enregistrer. Je vous ai peut-être entendu le doing. C'est pas mon zizi qui devient dur dans mon portable, c'est juste que je reçois un email. Voilà. Ça devient n'importe quoi cette vidéo. Oula. Oula, 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 oula. Oula, il y a du peuple. On va s'en aller un petit peu. On va s'éloigner. Et on va faire nos objectifs. Et attendez, il y a des cerveaux qui traînent là. Ah oui, mais j'avais pas vu, il y a des cerveaux qui sont réapparus, c'est moi. Ou je les ai loupés tout simplement. Oh, j'entends les pop. Ah, oh, mais quand j'entends des. Comme ça, ça m'attire moi. Attendez, juste là. On prend un petit peu de. Voilà, de munitions. Bah, c'était pas ça que je voulais de munitions, mais bon. D'accord, ça c'est bon, ça vient de donner des munitions. Ah, ça fait des pop. Ah, là, il y a un cerveau, je le vois sur la mini-carte, c'est en vert. Ça fait des pop, oui des pop, Zani. Oula. Oh, attendez, excusez-moi, je fais que de passer, mesdames et messieurs, je ramasse juste mes petits cerveaux. Voilà, et je me barre. Passons, ramasser les cerveaux. Bon, j'ai dit que je faisais pas le truc de bonus, de toute façon c'est mort, parce que j'ai détruit déjà un truc Tesla. Attends, lui c'est... Ah tiens, non, moi ça a pas marché, c'était pas un scientifique et ça a pas marché le truc électrocuté. Oula. Ils m'ont touché avec son nom de. Je peux plus faire télékinésie. Ah, c'est bon, je peux utiliser mes pouvoirs. Oula là, c'est le bordel. Ah, c'est bon, ça a marché, les scientifiques. Attends, quoi? Merde, oula. Je suis un petit peu dans le caca parce que j'essaie d'avoir les gros cerveaux là, des mecs qui ont les pouvoirs de télékinésie parce qu'ils donnent beaucoup de points de cerveau. Hop. Allez. Mais non, c'est. Voilà, voilà, allez. Ah voilà, j'ai eu le gros cerveau. J'ai eu ce gros cerveau là. C'est bon, je peux m'en aller. Attends, il y a un cerveau qui vient d'apparaître aussi. Voilà, je ramasse un petit peu de tout. Ah, c'est bon, j'ai juste à faire ça, je peux récupérer de loin les cerveaux. Ah, ça c'est cool, je savais même pas qu'il y avait ça. Hein. Je viens de découvrir des choses. Ah merde, on m'a tiré dessus. Oh là là. Bon, allez, on se barre. Oula, il m'y a eu des tirs là ou c'est moi? J'ai cru voir des tirs arriver d'ici. Ah, je vois des choses. Je vois des choses. C'est une voiture, d'accord. Non, parce que il y avait un point bleu sur ma mini carte. Mais qu'est-ce que c'est que les points bleus? Bah, c'est les voitures. Tout simplement, Snake. Oh, alors lui, il va me faire chier. Ça marche. Ah, ça l'a pas tout à fait détruit. Tac-ti-tac. Hop, dans le cucu. Je suis le docteur de la prostate. Et moi, je prostate tout le monde. Ça veut rien dire. Mais non, mais attends. Est-ce que je peux le détruire comme ça? Oh oui, ça marche, cool. Ah, il en a plus qu'un. Excusez-moi, je fais le ménage. Hop. Oula. Oula là, le nombre de cerveaux appétissants. Miam, 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 miam. En plus, je les électrocute. Ah, voilà. Oh, il y a un petit drone là, un petit son, j'avais pas vu. Mais monsieur, vous êtes où? Mais non, mais je veux viser le monsieur. J'adore quand le jeu il vise derrière les choses qui sont derrière. C'est bon, il n'y a plus de cerveau à ramasser. Tout le monde est mort. Pas de renfort à l'horizon. C'est très bien. Wouhou! Je peux me promener dans la ville tranquillement. Vous pouvez... En plus, là je suis à fond. Vous pouvez le voir là, les niveaux d'alerte est à fond. Qui me vise? Attends, ici. Voilà. D'accord, j'ai tiré sur des gens mais je les vois pas. What? Mais qu'est-ce qu'il a... Oh putain! J'ai eu un cerveau à travers... J'ai volé le cerveau d'une dame dans ses toilettes, dans son appartement. Oh
C'est bon, j'ai détruit. Je l'ai pas vu exploser le machin, mais j'ai su ça a marché. Putain, ils m'ont encore coupé mes pouvoirs. Oh putain, le bordel. Ah, attendez, il y a lui qui va venir. Voilà, lui va me faire chier. Voilà, le Goliath, le robot là. Monsieur, s'il vous... Ah, mais non, mais... S'il vous plaît. Vous me faites chier. Tiens, je ramasse ça. Qui qui fait freeze? Ta gueule, hein, pas freeze du tout. Ton petit cerveau grillé, je le veux bien par contre. Attendez, j'ai loupé un cerveau là. Attendez, il est où ma sonde? Je vais récupérer. Il y a un cerveau qui est quelque part ici. Sur la carte, je le vois. Ah, je crois que je l'ai vu. Il devait être à l'intérieur du Tesla. Et, il avait traversé. Ah, il faut que j'entende la soucoupe. Oui, pardon, excusez-moi. Moi, je me balade, je ramasse mes petits cerveaux. Je fais mes courses, moi. Moi, je fais mes courses. Hein. Tranquillement, mais sûrement. Je fais mes courses, mais le problème, c'est que comme il y a encore le coronavirus, j'essaie de dire aux gens de maintenir la distance de sécurité. Mais ils veulent pas, alors je dis bon bah écoutez, on va faire un petit évaluation de la prostate gratos, comme ça je vais voir si vous avez le Covid. Et effectivement ils avaient le Covid, alors on était obligé d'extraire les cerveaux. C'est comme ça que ça se passe maintenant. J'aime bien être dans l'actualité des choses, moi. Alors attends, mon cerveau, j'allais dire oui mon cerveau. Oh, attends, j'ai vu un truc ici. Oh bien joué ça. Je l'ai vu après. Oula je suis bloqué, au secours. Merci. Les Jean-Michel Caméra qui m'étaient trop près de moi. Oula, là il y a un truc qui va exploser, faut que je me barre. Et il y a une mitrailleuse sur moi. Allez, on y va, c'est parti. Attends, c'est pas du tout par là que faut que j'aille. Allez là, ma soucoupe, je l'avais perdu de vue. Hop là. Et bah c'était une mission rondement menée. Détruisez les transformateurs Tesla. Éliminez les inventeurs de Tesla, ok. D'abord les petits cerveaux. Allez, on donne les cerveaux maintenant, c'est fini. Je rigole plus. Ouh, c'était un gros, ça, je crois. Putain, le monde qu'il y a pour ramasser les petits cerveaux. Attends, il y a des mecs à la psycho-pouvoir. Est-ce que je peux les avoir? Putain, j'arrive. Ah non, je peux pas les avoir, leur cerveau, c'est dégueulasse. Bon, attends, il faut y aller. Moi, dès que je vois un cerveau, c'est pas possible. Hein, Tiens, on va regagner du premier. Voilà. C'est pas possible. Mais par contre, il faut que je tue. Éliminer les inventeurs, transformateurs, c'est ça. Ok, mais. Faut que je les trouve comment en fait. Bon, ça c'est fini déjà. Ah là, je le vois. Et voilà, ça c'est fait. Merde, on va faire ça. Ça l'a touché ou pas? Oh putain! Ouh, j'aurais peut-être pas dû. J'ai un petit peu abusé sur la. Sur les dégâts qu'il fallait que je fasse. Voilà, ça c'est fait. Ça, on le détruit, allez hop. Putain, y'a un robot à côté, il répond même pas. Attends, avant de détruire tout, moi je voudrais d'abord voler les cerveaux des scientifiques. Voilà, comme ça au moins le bonus est fait. Oh, je suis sûr qu'il y avait un petit drone ici. Dans le petit belvédère là. Oula, bon moment le fliger. Hop là encore. Eh hey, vas-y, essaye, tente toi. Only one more device remains. Hurry and destroy it. Putain, j'ai tiré trois fois à côté, je crois. Eh, il y en a encore un par là. On va changer d'arme. Hop. Voilà, ça c'est fait. Et allez, on tire un petit truc nucléaire en même temps. Oh, il va pas le temps d'aller exploser. Oh si! Allez hop, petit feu d'artifice pour la fin. Mission accomplie. Bon, j'ai pas fait le truc d'électrocuter les scientifiques, des transformateurs, tout ça, parce que c'est chiant, c'est casse-couille, c'est pas drôle. Enfin, si c'est drôle un peu, mais c'est plus marrant de leur voler le cerveau, vous serez d'accord avec moi. Électrisant, des explosions détruisent les nouvelles stations électriques. La faute à Electro dans Spider-Man. C'est Electro. Bon, je suis sûr on peut lui mettre ça sur les dos. Electrifying. Est-ce que ça existe vraiment comme en anglais, electrifying? Ou c'est sûrement un vrai mot parce que tu connais rien en anglais. Alors, Snake, tu fermes ta gueule. Ne va pas plus loin, ne cherche pas. N'essaye pas d'avoir la réponse. Tu sais très bien que c'est oui, tu n'y connais rien en anglais. Tu fermes ta gueule. Quand on s'y connaît pas, on ferme sa gueule, voilà.
Ok, alors attendez, qu'est-ce que j'ai des trucs à acheter? 6000? Qu'est-ce que je pourrais acheter pour 6000? Le rayon annihilateur. Augmente la vitesse de recharge. Ça, c'est bien aussi. Hein. Augmente considérablement la capacité de déflagration sonique. L'électrisation des véhicules provoque une vaste onde de choc. Bon, sauf pour toucher un véhicule. On va prendre ça. Les déflagrations soniques sont entourées d'un vaste vortex qui aspire les missiles et les projectiles, ajoutant leurs dégâts à ceux des déflagrations. Oui! Je dis oui! Je dis oui, 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 oui! Eh oui, c'est oui, comme dirait. L'animateur dans Question pour un champion. Mémoire super pouvoir. Snake, si, mais vraiment, problème, mémoire super pouvoir au son rouge, faut consulter, hein, il y a un moment. Alzheimer et arrive avant l'heure, hein, c'est pas possible. Bon, il n'y a rien d'autre à acheter, c'est parti! Pour la suite de cet épisode, et je vais changer même de costume. On va carrément prendre le dernier costume, le cavalier pâle. Voilà, c'est l'apocalypse. On va être, je crois que c'est, je sais pas si c'est une référence à Dark Siders 3, où on joue le personnage de la mort et qu'il a un peu un masque comme ça. Je sais pas du tout, mais en tout cas, j'aime bien, c'est stylé. On va utiliser ce petit skin là. Ça va être sympatoche, ça va être sympathique. On arrive bientôt à la fin du jeu, comme vous en avez deviné. Et je crois que cette vidéo va être beaucoup trop longue maintenant que je viens de réfléchir à ce que c'est. L'attaque du président de 50 mètres. 50 mètres, ça fait beaucoup de mètres. Monte 50 mètres, ça fait combien en pieds? Je sais pas, je me pose des questions comme ça de l'existence. Par contre, alors il y a le mec masque de psychomantis là. Alors j'ai rien, j'ai pas envie de dire, mais je trouve que son fusil ressemble quand même beaucoup à un phallus. Mais je vois des phallus partout. Stand at the seat of all human power, and they're turning over the keys to the whole planet. Les clés de la planète tout entière. Oh, bah, non, il y a les clés de la Maison Blanche, mais de la planète tout entière. Je ne crois pas. En tout cas, c'est bien, on est devant le, c'est magnifique. Oh, le costume, il est stylé. Bon, regardez-moi ce beau costume. Oui, je pense que je vais mettre une référence à Dark Siders 3. Ou 2. Non, c'est le 2 ou 3. Je sais plus. Attendez, j'attends qu'il finisse de parler avant d'aller déclencher la cinématique. Ah, il y a encore un transformateur grillé. Il n'y a personne par contre dans les rues. C'est désert. Ah non, j'ai rien dit, il y a une dame en rouge. Là-bas. Ah, je peux pas aller. Ah, je peux pas y aller, il y a une. Ah! Merci madame. Il fallait que j'ai un petit cerveau quand même. Parce que là, c'était pas possible. En tout cas, j'ai pris mon plus beau costume de plus bel effet. C'est bien en plus, ça. C'est concordant avec ce qui va se passer, la mort. Bon, par contre, c'est vrai qu'on n'a pas les. Le faciès de Crypto. Mais bon, c'est pas grave, c'est stylé quand même. Silhouette, I presume. You don't look like a general. You don't look like a little green man. Thank you. Oui, je suis Uli. Oula, il l'a mis où son fusil, là, Crypto? Il l'a rangé, mais je voudrais pas savoir. All the monkeys got together, scratched their heads, accepted the inevitable. That sense of humor. Just like your... Like my what? File. Your dossier, Crypto, said you were quite the joker. I think I never told you my name. No, I suppose I have your brother to thank for that. Moi c'est mon clone, hein, mais bon, ça peut être mon frère aussi. Hein, si... Oula! Oh, ça manque de quand même de petits effets de pan, de tape et des trucs. Hein. Ça manque des effets sonores. Oh mon dieu! Il se déshabille, ça y est. Oh mon dieu, madame! Je veux rejoindre les Majestiques, ça y est. Ça y est, je suis avec vous, je suis avec les Majestiques, c'est bon, c'est bon. You're a chick. I'm a patriot. If you had to put up with politicians playing grab ass all day long, you'd wear a mask too. Me, I get my kicks the old-fashioned way. C'est pas bien, pas le bad monkeys. Funny, that's just what Crypto 136 said. Of course, he was a real cut-up too.
Well, so much for plan A. What's that? That, my gender-deprived friend, is plan B. Ce cher ami, c'est mon ami. The end of your insidious invasion. A champion even you can't defeat. The greatest political mind of the 20th century in the greatest weapon ever built by man. Oh mon dieu, il y a... Behold, the Robo-Prez. Elle connaît mon point faible, c'est les cerveaux. Je vais vouloir lui prendre son cerveau, tout de suite. I promise to destroy all Furons. Putain, c'est un sacré cerveau, par contre. Is seriously messed up. Robo-Prez, dirty tricks mode. Oh man, now I'm gonna get my suit dirty. J'ai pris une nouvelle super combinaison. Et mais madame, moi je veux bien rejoindre les Majestics maintenant. Je serai à vos ordres. Je suis amoureux. Ça y est. Après, j'ai pas, Crypto n'a pas dit si c'était. Alors vous craignez rien au niveau sexuel, hein, ou pelotage de fesses. Hein. D'accord, ok, ouais, ouais, c'est barre. On va prendre la soucoupe, compter un peu la soucoupe, on a compris, on se barre. Oula, 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 ouh. Oh là là, il m'a fait très très mal. Alors, atteignez le point faible de la poitrine du robot. Ah, c'est bien, il me dit c'est quoi son point faible. Oula, 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 putain, on va esquiver. Attends, j'essaye de toucher son point faible, hein, ils disent la poitrine. Attends, je vais changer d'arme. Ah, j'ai touché sa poitrine apparemment. Puis tout à l'heure, je suis dessus, mais bon, apparemment, c'est pas suffisant. Oh putain, j'ai détruit derrière, pardon, excusez-moi. Je visais le robot surtout, mais. Mais comme je sais pas viser, même un truc de 10, de 30, de 50 mètres, c'était 50 mètres, j'arrive pas à le toucher. Putain, par contre, Lévi, elle a, c'est pas. Oh là! Au secours, des Mongols sur ma tech! Oh, tiens, bombe nucléaire en ta face! Allez, encore en ta gueule! Par contre, il va être long le combat. Il était, déjà que je me rappelais la première fois, il était long et chiant. Mais là il va être très très long. Et pourtant j'ai bien augmenté la soucoupe, elle est pas mal augmentée. Elle est pas à fond mais elle est pas mal augmentée. Je vais tirer dessus. Oh attends, il y a un robot, tiens je te balance avec gueule. J'ai même pas vu si ça lui a fait de l'effet, hein. Ah par contre j'ai plus de munitions là. On va ramasser les derrière. Attends, on va ramasser des munitions là. Et prendre aussi de la... Oh là, faut que je prenne. Voilà. De la de l'armure. Ah maintenant que j'ai ça aussi, ça attire les missiles. Ah mais oui. Putain, mon augmentation elle est bien là pour le robot. Putain, je l'ai acheté au bon moment. Mais Snake t'es trop balèze. Mettez un pouce bleu. Putain, j'ai acheté au bon moment le truc. Par contre j'ai plus de munitions sur rien. Putain. Lui aussi il a un rayon désintégrateur. Ah putain, il y a ça aussi qui est chiant. Par contre, il faut vite que je reprenne les munitions et de l'armure. Vite. Ah là, oh bah d'accord, qu'est-ce que ça fait là tout ça? Ok. Magnifique. Ah d'accord, maintenant il utilise les missiles. Oh là, je me suis fait toucher. Par contre, il n'y a pas beaucoup de trucs pour gagner de la... Ah, de l'armure, merci. Merci le robot. Putain, par contre, là. Oh là là. Oh là là. Putain, c'est un petit peu short quand même. Allez, tu vas crever. J'ai un petit peu loupé, hein. Ah, voilà, une première barre de vie. Ouh. Je te balance une voiture à la gueule, ça fait quelque chose ou pas? Non, pas vraiment en fait. C'est maintenant que tu manifestes le poste. Le pox, autopox. Oh putain, je sais jamais son nom, c'est fou quand même d'être aussi nul. Oh, petite voiture. Voilà, hop. Bon, par contre, hein, ça va être, je vous avouerai que ça va être un combat long et chiant. Ah, c'est cool par contre, maintenant que j'ai cette augmentation là. Et. Oh la merde. Merde, j'ai tiré le truc vert, c'est pas ça que je voulais faire. Attends, hop. Vite,
Allez, 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 on prend un peu de... Voilà. Allez, crève, saloperie de repos président. T'es qu'un cerveau, de toute façon tu seras pas réélu. Oula, putain, on va essayer d'éviter le rayon. Ah oui, mais alors si je vais dans les montgolfières qui... Oula. Putain, les montgolfières, c'est trop dur à éviter. Putain, j'ai pas de voiture à... Oh, putain, j'ai plus de voiture à prendre. Il me faut des voitures. Ah oui, il va faire chier aussi. Oula. Je vais mourir. Oh là là, je vais mourir. Oh là là. Oh là là, ça, c'est, elle est un peu dure aussi, je vous avouerai, ce moment-là. Ah, c'est bien, un petit peu de, voilà, un petit peu d'armure, ça c'est pas mal. Ouf, j'ai essayé d'esquiver le missile. Oh putain, mais il faut absolument que je rame, je prenne du bouclier, mais j'ai plus rien pour prendre du bouclier. Ah là, il y a un petit robot, magnifique. J'ai un petit peu bouclier grâce au robot. Ouh, je lui ai mis un petit nucléaire dans la gueule, j'ai pas fait exprès. Putain, par contre, putain de montgolfières, qu'est-ce qu'elles sont chiantes. Faut que je les esquive en même temps, faut que je les détruise. Et enfin, j'esquive aussi les tirs. Vous comprendrez que j'essaye d'être un minimum concentré, mais c'est pas compliqué, c'est un petit peu compliqué. Allez là. J'ai pas assez en plus de puissance de feu pour l'attaquer là avec la bombe nucléaire Furon là. Voilà, voilà. Putain, j'ai pas beaucoup de boucliers aussi. Alors, on va attendre que tout ça se recharge. Allez, allez. Apparemment, son point c'est le poitrine, mais je trouve qu'il y a aucun. Moi j'aurais dit la tête, mais. Oh, attends, il y a. Hop, un petit robot. Oh putain, je suis en plein dans son rayon. C'est bon. Ouh, première vie tombée. Vite, on en profite. On prend aussi. Ah bah d'accord. Bah j'ai vite détruit. Eh, hey, reviens ici. J'ai volé un cerveau, je crois. Ah, allez, on va chier aussi. Voilà. Oh là là, je vais mourir. Il me faut absolument. Oh oui, merci la voiture. Allez hop, il m'en faut une autre. Hop là, le missile esquivé. Et hop, le missile. Oh non, deuxième. Oh là, il y a beaucoup de. Oh là là, là, c'est un petit peu chaud. J'ai plus de munitions. Oh, j'ai un petit peu de munitions quand même. De nucléarité, hein, dans la gueule. Oh là là, par contre ça va être chaud là. Oh là là là. C'est tellement chaud. Là, vite, 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 vite. Il faut absolument que je prenne une pile. Oh putain, elle est montgolfière quoi. Qu'est-ce que. Oh là 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 là, le rayon. Merci le petit robot. Je mets mon bouclier à fond. Enfin, je. Mon petit rayon. Oh là là. Mais comment tu veux éviter ça, quoi, bordel de merde. Bon, il a middle life. Allez, Snake, tu peux le faire. Vas-y, on croit en toi. Faut savoir que moi, je crois que j'ai recommencé 2-3 fois parce que j'ai un peu eu du mal avec lui. Hein. Surtout à gérer le bouclier du la soucoupe. Oh putain, et ces putains de mouvements aléatoires avec le rayon de merde. Allez, allez. Oh putain. Tiens, oh, ta gueule, tiens, ta gueule là. Ça l'a calmé. Ah, il y a un petit robot, merci les petits robots. Pour l'armure, on pense à l'armure. Oula, il y en a plein en plus. Ça, c'est bien. Oh putain, ça détruit tout. Oh putain. On va essayer d'esquiver ça. Il hein. Y a un mec qui gueule en dessous. Hein. Je sais pas ce qu'il a, mais il gueule. Oh putain, il me saoule avec ses putains de montgolfières. J'ai pas envie de faire le tour du monde en 80 jours, moi. Je veux juste finir ce putain
de boss à la con qui met 3 heures. On l'a bientôt fini. Il reste encore un petit chou. Oh là là. Oh là là. Oh là là, je suis tellement près de la fin là, mais il n'y a plus rien à aspirer. Oh, une voiture. Une voiture. Voilà. Allez, en ta gueule. Oui, en plus j'ai fini avec le truc nucléaire, laser, furon, je sais plus comment ça s'appelle. The smell of presidential brains in the morning. Just remember who set that giant POTUS of destruction upon you. Right. You know who j'en suis en sueur. Oh, that silhouette guy, right? Or chick. Oh, c'est joli femme. Oh, c'est bizarre, avec ce costume, on dirait qu'on voit à travers ses yeux. I lost sight of him. Silhouette near the attention furons. Is this thing on? Oh, whatever. I know you little gray freaks can hear this. I'm sure you're out there listening, gloating. J'ai même pas pu aspirer le cerveau du président, il avait l'air délicieux. It seems only fair. Credit where credit is due. You did it. You beat my beautiful RoboPrez. And now you're probably sitting around fantasizing about destroying all the humans. Ah, moi, je suis en train de fantasmer sur autre chose. You handled the boys, Armquist Hoffman. Oh, that was a challenge. But everybody knows which sex is dominant on this planet. There's still plenty of time to get your asses handed to you. That is, if you're not too scared to fight a girl. Nah, I'm not hung up on the whole pudenda thing. So come on, Crypto. Let's dance. I'll even let you lead. I'm at the octagon. Don't keep me waiting. Oh, on va devoir se battre contre la super femme qui s'appelait la silhouette. Magnifique. Rendez-vous à l'octogone. Eh ben dis donc, on a fini un RoboPrez. Et il y a un freeze. Ouf, putain, j'ai eu peur. Ça m'a fait un petit peu peur le freeze, hein, j'avoue. Par contre, il y a encore ces putains de montgolfières là. Putain, vous me gonflez, hein. Vous me gonflez. Oh, une voiture, attendez, je reprends quand même. Ah, je peux pas prendre de. Ah oui, je suis obligé d'atterrir quoi. Je peux prendre des munitions, mais je peux pas reprendre du bouclier quoi. Ah bah merci. Parce qu'on pourrait l'affronter avec la soucoupe, hein, au direct. C'est de la triche, mais ça ira vite au moins. Bon bah écoutez. On va s'arrêter là, je sais pas si j'atterris, ça lance directement la cinématique, alors on va s'arrêter là. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et je pense que la prochaine fois, bah, ça va être le dernier épisode, parce que là on va s'affronter contre la silhouette, cette femme. Mais moi je veux rejoindre les Majestiques, hein, c'est bon. Hein. Ils ont raison, allez, on... vive l'Amérique, hein, c'est bon, moi je suis avec elle. Bon, bah, on peut pas faire comme ça malheureusement. Bon. En tout cas voilà, j'ai réussi à battre le boss d'un coup, franchement je vous avouerai que j'ai... Je pensais à faire plusieurs essais, parce que la première fois que j'ai lancé le jeu, comme je vous l'ai dit, j'ai fait au moins 2-3 fois ce boss là, parce qu'il est... Il est long et chiant, et si vous n'avez pas bien amélioré votre soucoupe au niveau bouclier, au niveau dégâts, enfin au niveau armes et tout ça, c'est long et c'est chiant, il faut éviter ces lasers, je vous dirais que c'est un petit peu long et chiant. Mais bon, ça va, je ne suis pas trop mal ébrouillé, j'ai réussi à être concentration et ça c'est bien. Rien que pour ça, je mérite un petit pouce bleu. Un petit pouce jaune, voilà. Ça n'existe pas, mais peut-être que je peux demander à YouTube de mettre un petit pouce jaune, rien que pour moi, quoi, mais bon. Voilà, faut peut-être que je quitte cette vidéo. Oui, il faut que j'arrête cette vidéo. Bon, voilà, écoutez, mettez un petit pouce bleu si vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne, c'est Kratos. Appuyez sur la cloche pour rien louper des prochaines vidéos qui vont sortir. On se retrouve pour le prochain et sûrement le dernier épisode sur Destroy All Humans.